Bonjour. Monsieur, il s'est passé un truc horrible. Monsieur gendarmerie, arrêtez-vous là. Ouais, mais messieurs les policiers. Attendez, monsieur le policier. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les amis. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, les petits potes, un nouveau format de vidéo qui s'annonce sur la chaîne. Là, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc j'ai intégré récemment un serveur RP qui s'appelle la DG Live France. Donc déjà, je vous invite à aller voir dans la description si vous voulez rejoindre le serveur. Tous les liens seront en description. Mais par contre, les gars, je vous préviens d'avance, c'est un serveur RP sérieux, quoi. Donc faut pas faire n'importe quoi. Donc je vous préviens, si vous voulez nous rejoindre et jouer avec nous, faut être sérieux. Donc c'est un serveur RP où dessus bah, on peut être gendarme, pompier, vignoble, garagiste, mécano, pêcheur, chasseur, enfin bref, vous avez compris quoi. Et donc moi je suis gendarme dessus, donc je vais faire des petites patrouilles, notamment avec Shivaz, parce que Shivaz a aussi rejoint le serveur les amis. Donc pour ceux qui nous demandaient qu'on fasse des vidéos tous les deux, bah c'est chose faite. Je vous mettrai. Donc je vais vous présenter le serveur d'abord et après je vais vous mettre ce que j'ai filmé le week-end dernier lors d'un événement sur le serveur justement. Et il y aura Shivaz. Donc restez jusqu'à la fin les petits potes. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si ça vous plaît. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce nouveau concept de vidéo. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc là vous voyez que le serveur est entièrement modé. Hein. C'est un serveur full français, donc avec les véhicules français, tenues françaises. Il hein. Y a plein de petits trucs qui ont été rajoutés, vous voyez, là, déjà ça c'est pas d'origine, les dodanes et tout. Donc là je vais aller prendre mon service de gendarmerie. Hop là, je vais rentrer dans la gendarmerie. Oh, elle est déjà, vous voyez qu'elle est retexturée et tout. Je vais aller prendre mes fonctions les gars. Hop là. Voilà. On va là, hop là, on choisit sa tenue gendarme, voilà, allez hop. Et je vais aller prendre mes armes à l'armurerie. Alors, faut que je referme la porte par contre, sinon le colonel il va m'engueuler, hop là. Donc, si vous voulez nous rejoindre et jouer avec nous, hein, je vous dis, les liens sont dans la description les amis. Après, comme je vous dis, faut être sérieux pour rejoindre ce serveur. Hop là, je vais juste prendre ça. Et voilà. Donc, alors. On va faire une petite patrouille, vite fait. Donc, je vous montre hein, tout ce qu'il y a à peu près. Il y a tout ça. Donc là, il y a... On peut être docteur aussi. Donc, on peut avoir... On peut travailler au concessionnaire, au commissariat. On peut chasser. On peut être pompier, avocat. Transporteur de fonds, boucherie, banque, voilà, tout ça les amis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les interventions que j'ai fait la semaine dernière, le week-end dernier. Donc bon visionnage les petits potes. J'ai plus de devant. Ah ça tire, ça tire, ça tire, c'est à côté. C'est moi, ok. Ah okay. Oh, il était tout seul, il y avait une fusil. Monte avec nous si tu veux, Julien. Ah, ok, ouais. Permis 0, permis de conduire, il a permis de conduire. Il avait même pas d'arme, gros. Mais je lui ai tiré dessus et il s'est arrêté. Ah, le véhicule, de toute façon, c'est un véhicule de base. Donc ça... Monsieur, c'est tout. C'est sûr que c'était vous qui étiez garé là. Il y a des marques de pneus jusqu'au parking derrière le magasin là, avouez. Fait là. De toute façon, ça peut être que vous, monsieur. Y'a que vous dans la zone là. C'est pas grave monsieur, hein, vous savez, ça arrive. Hein. De toute façon, dis-lui qu'il y a des caméras, il n'a pas à savoir et s'il avoue pas, il va prendre plus cher. Donc c'est bon. Si vous voulez, on peut vérifier les caméras de surveillance du magasin si vous préférez qu'on ait une preuve. Faut mieux que ce soit vous qui nous dites les faits, qu'on regarde la caméra et qu'on voit quoi. S'il y aurait plus. Il a dit vas-y regardez, je suis sûr que vous... Regardez les caméras. Comment vous savez qu'il n'y a pas de porte derrière le magasin? Bah écoute, il allait faire un petit
ton garde à vue pendant une petite heure, ça va lui faire être pire. On pourrait vérifier sa voiture là, parce qu'on a eu un petit souci avec une Twizy cet après-midi. Je sais pas si c'est lui. Ouais. Il est en quoi comme véhicule, en Twizy, non? Ouais, ouais. J'arrive pas trop à voir. Ouais, ouais. Ok. Tu peux descendre un tout petit peu plus bas en altitude, Jules? Juste que j'arrive à voir ses jantes en fait. Elles ont l'air bleues, je crois. Ah, du game, t'arrives à voir? Toi, moi je vois pas. J'arrive pas trop à voir. Non. Elles sont bleues, ouais, je crois. Ah, elles sont bleues, ouais, ouais, donc c'est pas ça. C'est pas lui. Moi, si tu peux me déposer là avec eux, parce que je vais repartir avec eux, moi. Si tu peux te poser. Ouais. Ça marche. Attends, je te dépose. Je te dépose sur l'héliport. Ouais. Oh, remarque, attends, je vais te déposer là, c'est bon. Plus simple. Quand j'ai besoin d'un. Tu peux t'arrêter là sur la terre. D'un mécano. J'ai niqué tout. Je faut mieux que tu le montes dans le tien. Ah, c'est ça que j'allais faire là, le juste là. J'arrive, moi, les gars. Ouais, voilà, il là. Me dépose, il est en train de me déposer. Petit parking, non, genre. Ouais, vite okay, le pas, surtout pas. A plus tard, les gars. Ah, à plus tard. Pierre et monte avec moi. Je te ramène à ton event. T'en fous rien. Attention, pousse du véhicule. J'ai peut-être prendre le tien, on sait jamais. Oula. Attends, monte pas dans celui-là, Jugam, monte pas dans celui-là. Ouais, je monte pas. Je vais le mettre à la fourrière directement. Viens avec nous, Pierre, si tu veux. Je t'ai posé, Jules. Non, il est reparti, Jules. Ouais, il est reparti. Ouais. Bah, monte avec moi. Tapez la conversation au mec, dis bonjour et tout. Alors, monsieur, comme ça, on braque les supérettes. Il parle plus. Oh. T'as cassé, t'as écrasé un chat. Ah non, une mouette. T'as une mouette sur ta roue. De toute façon, monsieur, là, vous allez rester avec nous le temps qu'on résout le problème. Parce que là, c'est un peu bizarre l'histoire là. Oui, bah allez-y. Hein. Par contre, vous êtes. Je vous entends très mal. Ça fait combien de temps, monsieur, que vous êtes arrivé en ville là? On va faire deux jours. Deux jours, d'accord. Ça commence mal pour vous alors. Bah non, vu que j'ai rien fait donc. Ouais. Moi ça va très bien. D'accord. Après vous avez des caméras donc vous allez vite voir que c'était pas moi qui était dans l'intérieur. On va voir ça, ouais. Bon, remarque, les gars, on aurait dû en fait le prendre avec nous en voiture et rôder autour là-bas pour voir s'il y avait quelqu'un. Parce que là, le temps de retourner au commissariat, de revenir ici. Non, mais il y avait personne, ça peut être que lui. Je suis arrivé. Comme par hasard, j'arrive dans un véhicule, il était garé. En plus, il a pas été fin parce que quand il a accéléré comme un fou, tu vois. Du coup, il y a des grandes marques de pneus qui étaient garées juste derrière il était garé sur une façon. Derrière la supérette, ça peut être que lui, mais il veut pas l'avouer, c'est tout. Il a pas les couilles de venir. Ouais, c'est rien. Il veut pas prendre d'amende. Bon, après, je sais pas si on va lui en mettre. Au pire, on lui met juste un séjour en garde à vue. Comme il est nouveau, sous, il a pas fait exprès, mais il veut pas assumer, tu vois. Et le colonel au-dessus, on l'a rattrapé. Ouais. Mais après, pour moi, il a dû profiter de l'événement. Je veux dire, ok, ils sont tous là-bas, je vais aller carrément à l'extrémité, comme ça je vais être tranquille. Ça commence quand là, l'event? Bah, normalement, il partait presque. Ouais, on est allé partir. Faudrait qu'on aille faire un tour après. Ouais, moi je vais chercher ma voiture. Parce que là, quand vous, j'en ai marre, ça avance pas assez. Tu vas prendre quoi? Bah, ma nouvelle voiture. En uniforme? Non. Non, je prends ma TV. Oh, je sais pas. Ah, tu t'es pas en service, hein? Bah, je peux être en service, mais en banalisé. Allez, bien, appelez-moi le pro de l'hélicoptère, vous savez quoi? Merde, attends, je suis con. J'avais des coupures chaque fois et j'ai réussi à me poser quand même. Et allez. C'est con, c'est derrière, il faut aller. Pilote. Wow. Ah, mais c'était chaud, hein, parce que ça, fallait que je monte et chaque fois, c'est quand le moteur il se coupe, il se rallume, du coup, tu perds de l'altitude. C'est vraiment tendu. On t'a vu passer devant nous, ouais. Ouais, tu me voyais pas faire genre avant-arrière, c'est bas-haut. Si. C'était galère. Hein. À la fin, j'ai flippé ma race. Tu m'étonnes. En plus, par hasard, au moment-là, t'as jamais eu de parachute, quoi. T'as tout le temps. Ah bah, ça y est, la voiture, ça y est, bah, elle se dit trip. il va un bug. Oh là là. Ça va, quoi. La voiture elle s'est divisée en deux ou en trois, je sais pas. Moi, il est en 5. Non, mais les gars, aujourd'hui 5M il est pas en forme donc cherchez pas, les gars. Aujourd'hui 5M il plane. Bon, monsieur, par contre,
Attends, la barrière elle est bien fermée ouais, là-bas. Je m'en occupe, je m'en occupe. Va falloir que je vous des menottes pour que vous puissiez rentrer dans le commissariat ouais, passe, parce qu'on a des petits soucis avec notre avec la porte. Non mais sinon ça va bugger. Moi il passe avec moi. Allez-y, fois, allez-y bon. Suivez-moi. Suivez-moi. Reste derrière lui toi. Ouais ouais. Oula. Oui. Il a un problème pour entrer lui hein. Allez-y, monsieur, sautez. Vous avez du chewing-gum sur la chaussure. Je vais venir chercher ma voiture. Vas-y, pousse la chewing-gum, voilà. On a resté ici, monsieur. Bougez plus. Ouais. Ouais, on a. D'accord, ça marche. Tu refermes la porte, chewing-gum ? Vas-y, attends, vas-y. Je vais faire. Oui. Qu'est-ce que t'as à prendre pour vous rendre compte de votre erreur ? Ouais, mais nous, on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est la procédure, monsieur. Ah, mais vous allez vérifier les caméras quand même. Ouais, on va le faire. Là. Oui, mais pour l'instant, vous mettez. Vous demandez de patienter un petit quart d'heure et. On va mettre tout ça au clair. Ça devient chaud ? Ouais, je sais pas, mais bon. Il m'a dit ce serait bien que vous reveniez là, il m'a dit. Je sais pas si vous êtes au courant, monsieur. Dans la ville, ce soir là, il y a un événement donc. On est occupé aussi là-bas donc. On est sur Bouken. Je sais, j'y étais. Bon, non, sous-effectif. Monsieur, vous y étiez, donc c'est pour ça que vous êtes allé braquer une super. Est-ce que vous pensez qu'on resterait là-bas? Mais monsieur, nous on est mobile. Ah, mais vous m'avez vu, monsieur, dans une voiture orange avec une autre personne. Comment? Oui, j'étais dans une voilà. Deux chevaux. Voilà, je vous dis juste avec personne. Oui. Ah, vous étiez à l'événement, pourquoi vous êtes parti braquer une super? Ah, voilà. C'est bizarre, d'un coup vous êtes parti de l'événement pour aller à l'opposé de l'événement, monsieur. Ah non, moi, bah justement, j'étais avec un autre monsieur. Donc là, vous êtes trahi, monsieur, parce que là, vous êtes en train de me dire que vous étiez à l'événement en 4N. Bah, mon collègue vous a contrôlé en 4N. Et. Il m'a vu avec quelqu'un. Un monsieur que j'ai rencontré dans la journée. Moi, pour moi, monsieur, vous y étiez. Pour moi, vous y étiez. Et quand vous avez entendu nos gyrophares, bah, nos gyros, vous êtes parti, vous êtes divisé en deux et vous avez pris votre fusil. Pour moi, c'est ça. Tant qu'on n'a pas récupéré votre collègue, et ben vous restez là. Par un discuter, vous pouvez vous insulter une caméra qu'apparemment vous avez pas. C'est du mytho. C'est pas grave, j'ai payé, et voilà. Et vous aussi, c'est du mytho. Bon, bah écoutez. C'est ce que je dis, si vous m'avez vu à l'intérieur, comme vous dites, vous êtes arrivé en premier. Parti à toi, en traversant les murs parce que. Il y a un autre braquage. Il y a un autre braquage. D'accord. Écoutez, monsieur, là, très occupé. Il y a un autre braquage. On va sortir avec nous, là. Non, non, mettez-le en prison. Laissez-le en cellule. Laissez-le en cellule. Le temps qu'on a cherché là-bas, c'est... Laissez-le en cellule, ça lui fera... Vas-y, je vais par derrière, vas-y. Monsieur, pour l'instant, vous allez rester ici. J'ai pas vu, c'était où? Braquage annulé. Ah, braquage annulé. On n'y va pas, on le laisse continuer, votre truc. Vous allez rester ici pour l'instant. Je viendrai vous chercher dans 10 minutes, d'accord? On s'est annulé. Bon, restez vigilants en fait, les gars, parce que là, John m'a dit. C'est un peu chaud là, ce soir. Hein. Ah, je sais pas, peut-être qu'ils se sont poussés du slip là. Il y a un mec tout à l'heure qui est parti parce que je l'ai engueulé. Ouais. Avec cette vitesse sur le parking, je lui ai dit stop, t'arrêtes maintenant, tu te gardes, tu restes tranquille, t'arrêtes de faire le singe. Et il m'a fait oh, si c'est comme ça, moi je me barre de votre truc et tout, bah casse-toi, frère. Rien demandé. Bah oui. Ah, les pompiers. Ah, les pompiers qui sont là, ouais. Avec un motard derrière. Laisse-le, t'inquiète. Ils vont à l'aéroport normalement. Là, faut qu'il y ait quelqu'un qui reste ici. Tu vois mon mapping ou pas, je game? Mes R, c'est mes plots ah à ouais. Gauche. Ah ouais, d'accord, ouais. Et tu vois, je mettais un véhicule ici. Tu mets le véhicule derrière là. Alors attends. Vas-y, ramène-moi au bout, t'inquiète là pour l'instant. J'avance. Ouais, vas-y, avance, va aller voir, ouais. Va voir ce qui se passe. Il y a un autre pompier, il y a deux pompiers, dis donc. Sous le pont, bon, les gars, ceux qui veulent faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler mollo. Il va y avoir un gendarme, une camionnette de gendarme ouais, devant. Et puis moi, je vais fermer la marche avec ma Senna, ok? Bah, pour ça, c'est pas une balade, donc vous plaignez pas, on va aller juste à l'aéroport, on va aller à l'aéroport du désert. Comme ça, là-haut, on prend l'autoroute. Et puis après, comme ça là-haut, vous pourrez vous faire des petits runs, vous amuser et tout. C'est déjà bien. Ouais. Ça te va, John, comme ça? Ça te va, John, comme ça?
Ouais, ouais, bah c'est super. Ceux-là qui veulent venir, ils viennent. Ceux qui viennent pas, je m'en bats les couilles. Ouais, voilà, ceux qui veulent venir. Allez, on fait comme ça. Allez, on y va. Les pompiers, c'est Jérémy qui est devant moi là. On se met devant la caisse du game. Vas-y, prends-la, vas-y, tu conduis mieux que moi, vas-y, j'aime pas conduire. Ah, c'est la porte ouverte. Moi, je ferme la marche avec la scène. Ah, ça va se fermer tout seul, t'inquiète. On passe devant, nous, du coup. Ouais, avec les yeux. Ouais. Et on va à l'aéroport du désert. Faut me mettre un point. Vas-y, je te mets un point. Vas-y, je te mets un point. Roulez pas trop vite, hein. Je suis sûr, il y en a, ils vont se tourner. Non, on va se tourner, vous allez vous mettre devant, vous roulez au maximum devant. Voilà. Et puis, il y a l'aéroport, c'est rien. C'est à Grand Sonora désert, c'est ça? Oui, c'est l'aéroport du désert. Ouais. Ok, c'est parti. Tout le monde est prêt. On y va. Allez, go. Ah, je roule, ouais, je roule. Vous faites le convoi ou pas là? Ouais, on passe. Ah, on est parti. Alors, faut passer là parce que les airs sinon. Allez, allez-y, allez-y. J'espère qu'ils vont passer à gauche. Ah non, moi je suis le dernier donc on va essayer d'aller. Comme on l'a dit, je ferme. Ah, freinez les autres, les gars. Partez pas tout de suite, on attend. Ouais, on attend au stop. Oh là, il est rentré dedans, papy. Papy. Attends, là, j'ai pas rentré dedans, j'ai rentré dans personne. Papy, là. C'est trop puissant pour toi, ça. T'as vu comment elle est magnifique, la caisse, quand même. Franchement, elle est magnifique. Ils sont tous là, là. Ouais, c'est bon. On fait méga gendarmerie contre la Senna. Méga gendarmerie contre la Senna. C'est David contre Goliath. Regarde, tu veux voir un pilote, mets ta ceinture. Hein. Merde, pas trop tard. Oh, la Mégane, elle est chaude. C'est bon. La Batmobile contre la Batarmobile. Oh, c'est bon, c'est passé. C'est qui le flic à côté de moi? C'est moi. Je game, se décale parce que je vais mettre les pins sur tout le monde. Attends, on va faire. Excusez-moi. Vas-y, c'est qui dans la Mégane là? C'est moi. Bah vas-y, viens, on fait la course. Mets-toi à côté du ou je vais faire la course. Vous allez faire la course, vas-y. On est trois. Il y a moi et Chivas dans la voiture. T'inquiète, je mets juste la marche arrière. Course de gendarme. T'inquiète, je mets juste la marche arrière. Ça marche. Lola. Vas-y, vous êtes prêts? Ouais. Je fais le décompte. Ouais. 3, 2, 1. Ah, bah faut se mettre en ligne, je crois, non? Man. Ah, j'ai pris une mouette. Ça compte pas. Jules, il est parti comme une fusée. C'est clair. Ça, t'es un bloc, papy, là? Ouais. Du coup, il y a combien de participants là? Ah, elle est bridée, hein. Il y a combien de participants là, du coup? Oh. Je suis devant. Eh, après un petit raccourci, ça va. Non, mais même en coupant, il arrive pas. Même en coupant. Au revoir, moi je vais cramer aussi sa vie. C'est clair. Ah mais elle agace quand même la Mégane. Ouais. Heureusement que j'étais pas en marche avant. Jules, est-ce que tu veux participer à la course? Et voilà les petits potes, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un maximum de pouces bleus. Allez, salut.